Angels fans. L'amour. Il existe plusieurs sortes d'amour. On aime les gens qui vivent près de nous. On aime l'endroit qu'on appelle notre maison. Et il y a un autre sentiment. L'amour qu'on a du mal à comprendre. Mais qui est bien là. Raph, t'es revenue? Malheureusement. Eh oui, je suis bien revenue. On a réussi à la convaincre. Vous avez perdu votre temps. Je savais bien que vous alliez encore nous critiquer. Attendez, laissez-la parler. Pourquoi faire? Pour que vous recommenciez à vous moquer de nous? Calme-toi, on est obligé de changer de façon de faire aujourd'hui. Fini les blagues et les défis entre nous. On trouvera un moyen de récupérer les portraits. On n'aura pas le temps, Raph. Pourquoi tu dis ça? Reina nous a donné 48 heures pour nous en aller. Il ne nous reste que 44 heures maintenant? C'est ce qui nous reste pour faire nos valises et quitter l'école. Sinon, elle se vengera de nous sur nos humains. Non, c'est impossible, ça ne peut pas être vrai. J'ai pas le cœur à plaisanter, Raph. C'est horrible ce que tu dis. Comment elle peut être aussi cruelle? Elle n'est pas cruelle, elle est beaucoup plus que ça. Elle ne ressent aucune émotion. Elle est froide comme de la glace. Mais enfin, il y a sûrement un moyen de l'arrêter. J'en sais rien, mais nos profs n'ont pas réussi. Oui, les bataillons de guerriers des anges et des démons ont dû se retirer, sinon elles faisaient du mal aux humains. Assez parlé, les démons. Ça sert à rien de nous apitoyer sur notre sort. Allons faire nos valises. Le moment est venu de se dire au revoir. C'était très amusant de t'avoir comme adversaire pendant quelques temps. Sylphus, attends! Hein? Personne ne fera ses valises et personne ne quittera notre école. On peut faire beaucoup de choses au nom de l'amour. Même défier la mort. Moi, je dis que c'est carrément de la folie. Je pensais que tu t'étais habitué à mes petites folies depuis le temps, Sylphus. C'est trop dangereux. Si ça tourne mal, tu risques... de mourir. C'est ma faute si Reina a réussi à voler les portraits des humains. Et je suis prête à tout pour les récupérer. De quoi parlez-vous? Je vous en prie, professeur. Asseyez-vous, vous êtes la bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'as-tu fait venir, Gas? Pour écouter les fantaisies d'un ange? Raph! Professeur Arcane? Qu'est-ce que vous faites? Raph nous exposait son idée. Elle a peut-être un plan pour sauver notre école et les humains. Malheureusement, nous ne pouvons qu'obéir aux ordres de Reina et nous en aller. Oui, elle est en position de force pour le moment. Je vous en prie, vous devez écouter ma proposition. Laissez-moi au moins une chance de réparer mes erreurs. Nous sommes conscients du danger que ça représente. Mais son plan pourrait fonctionner. Bon, très bien. Nous acceptons de t'écouter, Raph. Après tout, nous n'avons plus rien à perdre. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Je suis d'accord, mais ne tarde pas. Il nous faudra des heures pour faire nos valises. Merci. Ange et démon, écoutez-moi bien. Nous ne pouvons pas battre Reina en combat loyal. Mais ça ne veut pas dire que la partie est perdue. Pour l'arrêter, il suffit de se jeter dans la gueule du loup. Les humains ne sont plus maîtres de leurs esprits, depuis que Reina s'est emparée des portraits. Ils ne sont plus que des marionnettes sans aucune volonté. Ils ne font que suivre les ordres et le bon vouloir de Reina. Mais une minute, c'est ce que je fais moi aussi. Oh! Qui est-ce? Hé, toi! Va-t'en! Je t'interdis de t'approcher! Je m'appelle Raph, mais vous le savez déjà! Tu n'as pas le droit de t'approcher de Reina! Je ne suis pas venue pour me battre avec elle. Et pour quelle raison je te croirais? Allons, voyons. Qui oserait venir défier Reina toute seule? Et pourquoi je ferais ça?
pour sauver la vie des humains. C'est évident. La vie des humains ne m'intéresse pas. Hé, tu ne devrais pas te moquer de moi. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Alors, est-ce que je peux entrer maintenant? Non. Si tu y tiens vraiment, tu dois me battre. Arrête, imbécile. Je veux savoir ce que Raph a à me dire. Mais ma reine, je croyais que... Tais-toi maintenant. Bien sûr que tu peux entrer. Viens avec moi dans la serre. Est-ce que tu aimes mes roses? Elles ressemblent aux humains. Elles ont un corps, mais elles n'ont plus de tête. Eh bien, comme on dit, à chacun ses goûts, non? C'est exact. Tu as apporté ta valise. Tu es venue me dire au revoir avant de quitter la Terre. Non, je veux rester avec vous. Mais ce n'est pas possible. Tous les anges et les démons doivent quitter l'école sans exception. Mais cet ordre ne me concerne pas. Je ne suis ni un ange ni un démon. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Grâce à vous, j'ai compris quelque chose. Je n'ai rien à faire dans cette école. Je ne suis ni un ange ni un démon. Je suis comme vous. Ne dis pas de bêtises. Tu n'es pas comme moi. Personne ne peut être comme moi. Maintenant, je sais où se trouve ma place. Ma place est ici avec vous. Je veux devenir votre fidèle servante, comme Malakai. Malakai n'est qu'une marionnette entre mes mains, comme tous ces humains. Je n'ai plus besoin de marionnettes. J'en ai assez comme ça. Mais je sais que je pourrais vous être utile. Par exemple, je pourrais essayer de vous aimer comme si vous étiez ma mère. M'aimer? Comme si tu étais ma fille? Je pourrais essayer de devenir la fille que vous n'avez jamais eue. Je sais pourquoi tu es là. Tu essaies de me tromper pour récupérer les portraits des humains. Oh, non, vous ne comprenez pas, Reina. Depuis que vous m'avez révélé la vérité sur ma naissance, je ne me considère plus comme un ange. Ni comme une humaine, d'ailleurs. Gardez-moi, je vous en supplie. J'ai du mal à te croire, Raph. Tu n'es pas très convaincante. Mais pourtant, je suis sincère. Mettez-moi à l'épreuve. Tu es sérieuse? Demandez-moi ce que vous voulez et vous verrez que je suis honnête. Puisque tu y tiens. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais bien te demander pour que tu me prouves ta loyauté? J'ai trouvé. Je veux que tu détruises l'école où tu étudiais. Détruire mon école? Oui, tu as bien compris. Si tu veux me convaincre de ta loyauté, tu dois réduire en cendres ton ancienne école. Mais... Quoi? Tu ne veux pas? Les anges et les démons auront bientôt fini leur bagage. Il n'y aura plus personne dans quelques heures. Alors où est le problème? Je savais bien que tu disais n'importe quoi tout à l'heure. Fiche le camp de chez moi avant que j'utilise la sphère des ténèbres contre toi. Je le ferai. Qu'est-ce que tu as dit? Je détruirai l'école si c'est ce que vous voulez. Laissez-moi vous prouver que j'en ai fini avec le passé et que je veux rester avec vous. Très bien. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? La destruction totale de ton école est un spectacle extraordinaire que je ne voudrais manquer pour rien au monde. J'ai du mal à croire que Raph veuille vraiment m'être loyale. Je dois absolument convaincre Reina que je lui suis loyale. Si elle détruit son école, alors je n'aurai plus de questions à me poser. Il faut que je détruise l'école, c'est le seul moyen dont je dispose pour le lui prouver. Nous sommes presque arrivés. À partir de maintenant, j'observe ce qu'elle veut faire et je ne demande rien. Nous y sommes presque. J'espère qu'elle ne verra pas que c'est une mise en scène. Pouvoir de la pensée. Ah, parfait. Nous y sommes. Raph! Qui est-ce? Comment se fait-il que tu voles avec cette sorcière? Laissez-moi tranquille! Pourquoi tu nous parles de cette façon? Bravo, les filles! Vous jouez votre rôle à la perfection! Ça vous étonne que Raph ait décidé de devenir mon allié? Quoi? Mais c'est impossible! Vous n'êtes qu'une menteuse! Si vous ne me croyez pas, demandez-le à Raph! Je ne suis pas un ange, je suis un être impartial! Assez parlé! Le moment est venu de prouver ta différence! Détruis l'école! Qu'est-ce qu'elle dit, Raph? Tu ne vas pas faire ce qu'elle te demande? De cette façon, je prouverai ma loyauté envers Reina. Tu ne peux pas détruire l'école. Tu veux essayer de m'en empêcher? Mais Raph, tu sais très bien qu'on sera incapable de te faire du mal. Si c'est vrai, éloignez-vous et laissez-moi faire. Non! Parfait. Comme ça, elle croira que les anges et les démons sont tous contre moi. Si tu n'écoutes pas les conseils de tes amis, les démons seront obligés de t'en empêcher. Ah oui? Depuis quand tu défends ton école? Tu devrais être content que je la fasse disparaître. Raph a raison. Je vous conseille de récupérer vos affaires en vitesse, parce que votre ami ne va pas tarder à mettre le feu à votre école. Silence, l'impartial. On empêchera qui que ce soit de toucher à cette école. Bien dit.
Je crois que tu vas devoir te battre pour tes idées, très chère. C'est pas grave, je savais que ça arriverait. Pouvoir de vitesse! Je suis désolée, les filles. Oh oh, tu les touches? Tu violes notre veto! Mais je ne suis pas un ange! Tu veux vraiment te battre? Pouvoir du feu! Bravo, Raph! Reina doit croire que t'es avec elle! C'est tout ce que tu peux faire, Sulfus! Ça va faire mal! Sulfus! Sulfus! Faut l'attraper avant qu'il s'écrase sur le sol! Parfait, Raph. Tes anciens amis ont eu ce qu'ils méritaient. Finis le travail maintenant. Détruis l'école une fois pour toutes. Non, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Tu n'as aucune raison de la détruire. Assez! Je dois finir ce que j'ai commencé. Pouvoir flamme! Bien, ça y est. Tu l'as vraiment fait. Je vous avais dit que je la détruirais. Je suis comme vous. Bravo. Maintenant, tu peux venir avec moi au manoir. Tu es la bienvenue. C'est bon, Dolce. Tu peux tout arrêter. Elles sont parties. C'était trop fatigant. Tu as réussi. Ça a parfaitement fonctionné. Elle s'en remettra, j'espère. Elle est un peu fatiguée, mais ce n'est pas étonnant. Pour créer l'hologramme de l'école en feu, elle a dû utiliser son pouvoir vidéo à la puissance maximum. Notre avenir est entre les mains de Raph. Oui, maintenant elle se retrouve toute seule dans la gueule du loup. Je suis si heureuse que nous en soyons débarrassés. À partir de maintenant, tu es ici chez toi. Malakai, prends ses bagages et installe-la dans la chambre, à côté de la mienne. Je veux te sentir à mes côtés. Il faut que je sache où elle cache les portraits des humains avant qu'elle ne découvre que je ne suis pas sincère. Sinon, ça ira très mal pour moi. Angel's Face.